Je m'appelle Angelina Ballerina. C'est amusant de monter un groupe de musique avec ses amis. Mais ce n'est pas évident de jouer ensemble. Parfois, la musique devient vraiment bizarre. Stop! Stop! Arrêtez tout! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On a vraiment besoin de plus d'entraînement. C'est ça qui ne va pas. Je crois que le problème vient de Victoire. Elle joue trop fort. Pas du tout, je ne joue pas trop fort. Par contre, tu joues trop vite. En tout cas, moi, je joue très bien du tambourin, n'est-ce pas? À vrai dire, tu frappes ton tambourin beaucoup trop fort, Angelina. Quoi? C'est ta façon de jouer de la guitare qui me perturbe. Tu ne peux pas faire un son moins nasillard? Nous devons régler tous ces problèmes avant notre concert ce soir. Allez, essayons encore une fois. D'accord. 1, 2, 3, 4. Couloir, Adil. Pourquoi es-tu si pressée? Pardon, mademoiselle Mimi. Je suis en retard pour répéter avec mon groupe de musique. Ah, d'accord. Tu sais, j'ai hâte d'entendre ce que votre quintette va nous jouer ce soir. Notre... Quoi? Votre quintette. Tu n'as jamais entendu ce mot? C'est comme ça qu'on appelle un groupe composé de 5 musiciens. Ah bon? Oui, nous sommes un quintette. Bonne répétition. Et ne cours pas. Bien entendu, mademoiselle Mimi. Salut collègues, comment ça va? Adil est dans la place. Maintenant que je suis là, le quintet est enfin au complet. Le quintet, c'est quoi? Tu connais pas ce mot? C'est comme ça qu'on appelle un groupe composé de 5 musiciens. Nous sommes un quintet. Ça alors, tu en sais des choses. Bon, est-ce qu'on peut recommencer, s'il vous plaît? Tout le monde a son instrument. Et 1, 2, 3, 4. Ne tape pas si fort sur ta batterie, Adil. C'est pas toi qui vas m'apprendre à jouer, Angelina. Je suis un vrai pro. Oh non. Mince alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être qu'il y a des baguettes de rechange dans l'armoire à musique. Oui, je vais voir. Des cymbales, des cornemuses, un basson... Par contre, il n'y a aucune baguette. Je peux pas jouer de la batterie avec une seule baguette. Et si tu jouais d'un autre instrument à la place? Il y en a beaucoup ici. Ce serait bête de changer. Je suis un batteur et notre quintette a besoin de ma batterie. Elle vous aide à jouer en rythme. C'est à ce moment que j'ai eu une idée géniale. Même s'il n'y avait pas de baguette dans l'armoire à musique, je connaissais un endroit où il y en aurait sûrement. Oh là là, quelle catastrophe! Comment je vais faire maintenant? Et si tu allais dans le magasin de musique de mon père? Oui! Oui! Il y a toujours tout un tas d'accessoires pour instruments de musique dans le magasin de Monsieur Cerisseau. Et comme c'est presque l'heure du déjeuner, tu pourrais t'absenter pendant la pause, acheter une nouvelle baguette et revenir avant qu'on reprenne les répétitions. Oui, c'est une super idée! Merci beaucoup, Angelina. Ah. Adil! Pardon, mademoiselle Mimi. Est-ce que j'ai le droit d'aller au magasin de musique de Monsieur Cerisseau pendant la pause pour acheter une nouvelle baguette? Accordé. Tant que tu ne... Merci, mademoiselle. Cours pas. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. C'est toi, Adil.
Je ne t'ai pas entendu entrer. J'étais juste en train de... Je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que vous faisiez, monsieur? J'étais juste en train de répéter. De répéter quoi? Eh bien, de temps en temps, quand je n'ai pas beaucoup de clients, j'aime bien mettre de la musique classique et faire comme si j'étais le chef d'orchestre. C'est très amusant. D'accord. Je savais pas que les chefs d'orchestre répétaient. Bien sûr. Le chef d'orchestre doit connaître sa musique sur le bout des doigts pour guider les musiciens. Et grâce à lui, l'orchestre joue en rythme ni trop fort ni trop vite. Ah bon? Waouh, c'est super cool. Il les aide aussi à commencer à jouer et à arrêter ensemble. En résumé, à faire de la belle musique. Il fait comme ceci. Mademoiselle Mimi aussi, quand elle dirige la chorale, elle a un truc comme ça, elle aussi. Cet objet est le meilleur ami du chef d'orchestre. Regarde, ça s'appelle une baguette. Ça aussi, c'est une baguette? Alors Adil, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah oui, c'est vrai. J'ai une mission très importante à accomplir. Je voudrais acheter une baguette, justement. Mais pas celle-ci, une baguette de batterie. Une baguette de batterie? Aïe, aïe, aïe. Voilà qui est bien embêtant. J'espère qu'Adil va revenir rapidement. Tiens, voilà les musiciens. J'ai hâte d'écouter votre concert ce soir. Est-ce que les répétitions se passent bien? Elles se passent extrêmement bien, Mademoiselle Mimi. Bien, vous m'en voyez ravie. Je ferai en sorte de réserver une place au premier rang. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Nos répétitions ne se passent pas bien, hein, tu le sais. Mais ça ne va pas durer. Tout va s'arranger une fois qu'Adil sera revenu avec sa nouvelle baguette. Oh, nom d'un violon à moustache. Tu as mal choisi ton jour pour venir me demander une baguette. Quel est le problème, Monsieur Sourisseau? Ce matin, j'ai eu la visite de la fanfare de chez Darville au grand complet. Ils ont acheté toutes les baguettes que j'avais en stock. Quoi? Vous en êtes sûr? J'ai simplement besoin d'une baguette, une seule. Des cordes, des archets, des médiators, des clés. J'ai énormément de choses, mais pas une seule baguette. Notre batteur, il est sacrément en retard. Ça tombe mal, le concert commence bientôt. On va être obligé de dire à Mademoiselle Mimi qu'on n'est pas encore prêt. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas se permettre de la décevoir. Surtout pas maintenant que Victoire lui a dit que tout se passait bien. Oh, je suis désolée. Adil, où es-tu? Bon, eh bien voilà. Cette fois, on a fait le tour. On a cherché dans tous les endroits possibles et imaginables. Et je n'ai plus aucune baguette. Je ferais mieux de retourner à l'école. Mince, je suis en retard. Merci quand même, Monsieur Sourisseau. Désolé de ne pas avoir pu t'aider. Ouah! Adil vient nous sauver de la catastrophe. Hein? Où est ta nouvelle baguette? Ton père n'avait plus aucune baguette. Il les a toutes vendues ce matin. Oh non! Avec une seule baguette, je ne peux rien faire. Désolé, les amis. On dirait bien que je ne vais pas pouvoir jouer avec vous au concert ce soir. Oh là là! Nous n'avions plus beaucoup de temps, mais notre répétition était loin d'être terminée. Et sans Adil, nous faisions n'importe quoi. Non, non, arrêtez-moi ça tout de suite. Alice, tu joues bien trop vite. C'est plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et toi, Victoire? Il faut que tu joues un peu moins fort avec ta basse. Et toi, Marco, fais plus attention au tambourin d'Angelina et essaie de garder le rythme. Essayons encore une fois. Et... C'était la première fois qu'on gardait le même rythme. Ouah, c'est génial, Adil. Je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de faire, mais continue parce que ça marche. Je vous dirige avec ma baguette. Je fais pareil qu'un chef d'orchestre, sauf que c'est une baguette de batterie. Ah bon? Mais nous ne sommes pas un orchestre. Non, nous sommes un quintette. Puisque je ne peux pas jouer de la batterie pour marquer le rythme,
Je vous l'indique avec ma baguette. Notre morceau était parfait cette fois. Ton père m'expliquait qu'un chef d'orchestre aidait les musiciens à jouer en rythme. C'est ce que j'ai fait. Et ce n'est pas tout. Je vous ai en même temps aidé à jouer plus ou moins fort. Bon, si tu ne peux pas être notre batteur ce soir, tu peux toujours être notre chef d'orchestre. Sois notre chef d'orchestre. Oh oui, c'est ce que s'il te plaît. D'accord, je serai le chef d'orchestre. Tous ensemble, on va les épater. Bienvenue à tous dans le Théâtre Roquefort. J'ai l'honneur de vous annoncer que notre quintette est devenue un quatuor, mais que nous avons gagné un nouveau chef d'orchestre, Maestro Adil. Merci à tous. Adil, le chef d'orchestre, est dans la place et on a fait un carton, tous ensemble. Hey, 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 hey.